Salut à tous, c'est le matin, samedi matin, et on se lève. Alors comme d'habitude, petit rituel habituel de ce petit vlog qui va démarrer aujourd'hui. Un petit rituel d'abord, c'est le temps du café et la cigarette, ensuite un petit coup à la salle de bain, et puis ensuite je passerai la main à ma petite chérie qui s'occupera de finir le reste. À plus, à tout à l'heure. Et coucou tout le monde. Donc moi je vous reprends maintenant parce que je suis en train de préparer la valise à Mélina pour une semaine parce qu'elle va chez sa mamie, enfin Nanou, pardon si tu vois ce vlog. Donc je suis en train de lui préparer ses affaires et puis je voulais vous partager un peu ce qu'elle allait prendre. Et puis voilà. Donc je vais lui mettre sa petite robe mignonne, j'aime bien la voir dedans. Après je vais lui mettre sa petite combi qui est super sympathique. Bon, comme ça c'est pas terrible à voir, mais une fois portée elle est terrible. Ça, non, ça, pour rester, pour traîner. Après je lui mets sa petite robe à fleurs, avec, il y a celle-là aussi qui est super, avec les ananas, à voir si elle lui va parce qu'elle a pris, elle a grandi en quelques semaines, donc à voir si elle lui va toujours. Après celle-là, non, après il y a celle-là avec Mini qui est super mignonne. Après, il y a ce petit haut tout mignon qu'elle peut prendre. Je lui ai mis sa petite... robe. Aussi. Au cas où, un petit pantalon. Gris, tout simple. Avec un petit débardeur. Tout simple aussi, tout mignon. Après, hop. Après, il y a cette petite robe aussi qui est toute mignonne. Enfin, petite robe à mettre peut-être avec un legging dessous. À voir. Et puis... sa petite robe qui est toute mignonne aussi, avec son t-shirt. Hop. Et après je rajouterai quelques t-shirts. Et puis voilà, son pyjama, puis voilà, on va tout ranger, tout préparer. Puis elle s'en va demain, une semaine, avec Nanou. Et peut-être que demain, je vloguerai la journée aussi, pourquoi pas. Et puis voilà. Alors, on se retrouve avec ma nénette pour faire... des patates douces. Alors on commence par peler les patates. Yeah.
Oui. C'est bien. Voilà. Hop, hein, comme ça. Attends. Si tu la mettais là. Non, là. Je préfère comme ça. Là ? Non, tiens, regarde. Là. Non, je sais. Mais je te montre. Là. Et tu tires doucement. Tac. Oui, je sais, papa. Voilà. Mais ne m'en mets pas partout, hein. Mais nous, on a enlevé les bouts d'haricots. Les bouts d'haricots? Oui, les bouts, tu sais, les bouts là, qui sont comme, pareil comme les patates douces. On enlevait les bouts et après on les mettait dans quelque chose. Dans quoi? Je sais pas. Tu es coté les haricots? Avec qui? Avec Nanou? Oui, Mathéo. Hop! Tu m'en mets partout, là? Oui. Du bon esprit. Ah! T'assois tes doigts. Ah, ça glisse. Oh. Elle est tombée, je l'ai rattrapée. T'as fini toi? Eh oui. Ah, on peut en faire une autre? Ah, tu as déjà fini avant. Tu veux que je finisse celle-là? Tu prends celle-là? Ça sera plus facile? Oui. Allez, tiens. Oh, elle a glissé. Elle a glissé. Les bouts? Ne coupe pas. T'as pas besoin de couper les bouts. Non, il n'y a pas besoin. Pourquoi, maman? Parce qu'on le perd. Oui. Maman, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. On l'enlèvera après. On l'enlèvera après. Fais comme ça. Vas-y. Regarde. Hop, regarde. Bisous. N'appuie pas trop fort. C'est parce que tu appuies trop fort. Appuie pas, fais glisser. Regarde. C'est dur. Regarde. Tu le laisses. On se retrouve pour couper les patates, les fameuses patates douces. On fera, je sais pas, peut-être un peu en carré, en frites, on verra. Voilà, bon, il y aura sans doute une partie qui sera un peu accélérée. Les met dans un plat hein, pour après y faire l'assaisonnement. De la coupe de nos patates douces. Après avoir fait ça, je vous reprendrai avec la petite pomponnette pour la préparation, car il va falloir les laisser mariner légèrement avec une petite préparation dont vous pourrez m'en dire des nouvelles. Si vous testez la recette, bien sûr. Je vous reprends d'ici quelques minutes. À tout de suite.
Donc voilà, comme je disais, vous aurez besoin de quelques ingrédients. On ne me voit plus sur la caméra, mais c'est normal, je suis par là. Alors, pour la préparation, c'est ma petite nénette qui va s'en occuper. Vous aurez besoin d'huile. Alors, tu en mets un petit peu. Mets-toi de par l'autre côté, ma puce. Comme ça, doucement. Hop. Voilà. Là. C'est bon, on en rajoutera s'il en faut après. Attends. 2 minutes. Sois pas pressé. On va prendre la petite huile. Ça, c'est pour là. Attends. Pour lui. Voilà. Vous allez avoir besoin de paprika. Alors, le mieux, regarde ce que tu fais. T'en mets sur la table. Mélina, attends, ma puce. Vous aurez besoin de paprika. Alors, nous, on utilise du paprika doux. Hein, qu'on enlève du pot et qu'on achète aussi en sachet ou en pot. Comme vous voulez. Allez, t'en mets. Tu saupoudres 2 cuillères dedans. Attention, voilà. Une. Et deux. Voilà. On verra s'il en faut en rajouter. Non, on peut mettre ça. Attends, on mélange. Je vais le mélanger. Alors, tiens, t'attrapes comme ça. Et tu pars d'en dessous. Au-dessus. Au-dessus. Voilà. Ça, moi je n'aurai pas. Par contre, ça sera tout. Alors, il faut que vos patates, elles soient légèrement grasses, mais pas trop. Hein, l'huile, en fait, on en rajoute au fur et à mesure, en fonction. S'il ne faut pas que ça baigne dans l'huile non plus, sinon c'est plus des patates au four et ça devient quelque chose de gras et pas très bon. Voilà, on mélange. Ensuite, on rajoute un peu de persillade. Voilà, de la persillade provençale. C'est bon, je vais faire au mieux. Tiens, okay. Je vais t'aider un peu pour pas en mettre trop. Doucement dans tes gestes. Voilà. Ça sert à quoi une grosse cuillère? Ça, c'est parce que je l'ai pris pour autre chose. On remue? Oui, je remue. Allez, remue encore. Bien comme il faut, en partant d'en dessous vers le haut. Doucement. Je veux le refaire. On va rajouter légèrement un peu. Voilà. Mélina, s'il te plaît. Un petit peu. Enlève ta main. Voilà, pour que ça soit bien coloré. Attends, s'il te plaît. On va montrer en même temps ce que ça donne. Hop, vous pouvez voir ce que ça doit donner. Ne secoue pas ça. Et laisse fermer. Vous voyez, c'est ni trop gras et ni pas assez, comme on dit. Alors, voilà pour la préparation de base. Maintenant, pour ceux qui sont fanas un peu et qui aiment ce qui est un petit peu relevé, je vous invite à rajouter légèrement un petit peu de piment de Cayenne. Voilà, alors allez-y vraiment doucement parce que sinon vous allez avoir des surprises à la sortie. Ça, c'est moi qui le mets par contre, ma puce. On en met vraiment très légèrement un petit peu. Parce que sinon ça va les piquer. Voilà. Parce que c'est comme du piment. C'est ça. C'est comme du piment. Ça pique la bouche. On mélange bien. Voilà, vous laissez mariner quelques instants. Bon, une petite demi-heure au moins à mariner comme ça. Et ensuite, eh ben, vous les mettez au four à 210 degrés largement. Ça passe tranquille. Pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Chaleur tournante si vous le souhaitez ou chaleur normale selon votre four. Hein. Ça n'a pas trop d'importance. Vous laissez cuire. On se retrouvera après sans doute pour la cuisson, je vous montrerai le résultat final. Voilà, tchuss, je vous dis à plus tard. Alors, je vous avais dit qu'après la cuisson, je vous montrerai ce que ça donnerait. Donc voilà le résultat. Hop. Voilà, grillé.
Bon appétit, et à plus tard.